Hassan, qui est étudiante à Nanterre et membre du NPA révolutionnaire jeune. Non, mais d'abord un mot de solidarité vis-à-vis de ceux et celles, des jeunes et des moins jeunes qui se battent en ce moment même pour leur autodétermination face à l'État français en Kanaky. Macron, il a fait un petit voyage là en dite Nouvelle-Calédonie hier pour appeler au calme les militants indépendantistes et puis plus largement tous ceux qui, depuis là, deux semaines, se révoltent contre un projet de réforme constitutionnelle qui a pour but de permettre en fait à tous les Français de métropole qui sont arrivés depuis plus de 10 ans sur le territoire de voter aux élections et donc de minoriser les Kanaks eux-mêmes dans les urnes. Et cette réforme, le gouvernement, il la défend en invoquant le principe de la démocratie, bien sûr, mais si ce qui les intéresse et si ce qui préoccupe Macron et le gouvernement, c'était la démocratie, pourquoi est-ce qu'ils ne donnent pas le droit de vote aux étrangers et aux immigrés qui vivent et travaillent en France, ici, en métropole, depuis des années et des années? Nous, on pense plutôt que ce qui intéresse l'État français dans cette histoire, c'est de s'assurer de pouvoir garder la main sur ce territoire, sur ses ressources naturelles et sur l'espace stratégique qu'il représente dans l'océan Pacifique. Et c'est bien pour ça qu'ils ont envoyé plus de 3000 flics et militaires pour aller mater la contestation en déclarant que la République devait reprendre l'autorité. Donc nous, on le dit, on n'est pas pour le retour à l'ordre colonial. L'État français, il n'a rien à faire en Kanaky et on est du côté de tous les peuples qui se battent pour leur autodétermination et contre la colonisation. Barnier, il parle des militants indépendantistes comme des leaders mafieux. Nous, ce qu'on leur répond, c'est que les vrais mafieux, ils sont en col blanc, et les vrais criminels, ils sont même à la tête de nos gouvernements. Et évidemment qu'on est du côté des émeutiers, et qu'on est solidaires de tous les peuples opprimés qui luttent pour leur droit à disposer d'eux-mêmes, parce que ces luttes, c'est celles de tout notre camp social, des travailleurs, de la jeunesse, face à un système entier qui n'est fait que d'exploitation et d'oppression. Et dans la période récente, on a vu que cette question-là, elle était comprise dans des franges très très larges de notre classe, et y compris notamment dans la jeunesse. Quand on discute entre nous, en fait, on voit bien que cette société, elle nous offre aucun avenir, rien que sur la question la plus basique et la plus simple de dans quel monde on va vivre demain. Les chiffres du dernier rapport du GIEC nous disent que depuis la seconde moitié du 19e siècle, la température de la planète a augmenté de 1,5 et 1,5 degrés Celsius. Et le dépassement du seuil des 1,5 degrés, qui sera bientôt atteint donc, entraînera une multiplication des catastrophes météorologiques. Le GIEC indique aussi qu'au rythme de production actuel, qui engendre des émissions de gaz à effet de serre bien trop importantes, dans le pire des scénarios, on pourrait atteindre les 5,5 degrés d'ici 2100. Et les conséquences météorologiques de cette augmentation-là, elles rendraient impossible la survie de l'espèce humaine. En 2019, en Inde, c'est 600 millions de personnes qui se sont retrouvées sans eau courante à cause de la sécheresse. Et à Chennai, la 6e plus grande ville indienne qui compte 6 millions d'habitants, la chaleur a atteint les 50 degrés et l'eau a manqué pendant plus de 30 jours. C'est pas la première fois que les populations pauvres de cette région elles sont confrontées à ce problème. En 2015, par exemple, une canicule assez similaire avait entraîné la mort de plus de 2000 personnes en Inde. Et le changement climatique ne se limite pas à la multiplication de pics de chaleur. La régulation des océans elle est aussi très perturbée. Depuis les années 80, le pôle Nord a perdu 30% de sa banquise totale. Et à ce rythme, le niveau des océans il augmentera de plus d'un mètre d'ici 2100, sachant qu'une augmentation de 65 cm suffirait à inonder des métropoles comme Sydney, Londres ou New York. Le réchauffement climatique, il entraîne une myriade de conséquences en chaîne qui sont toutes plus catastrophiques les unes que les autres pour notre écosystème et aussi pour les conditions d'existence des travailleurs et des travailleuses dans le monde qui subissent de manière extrêmement violente les conséquences sociales des cyclones, des incendies, des tempêtes, des inondations et autres catastrophes. Et on sait très bien qui sont les responsables. Aujourd'hui, c'est 100 entreprises qui émettent 75% des gaz à effet de serre dans le monde. Et parmi ces 100 entreprises, 25 émettent la moitié. Toutes ces 25-là appartiennent au secteur des énergies fossiles et toutes font des profits faramineux. Par exemple, rien que l'exemple de Total, en 2023,
c'est plus de 21 milliards de dollars de profits engrangés. Et il n'y a pas que le secteur des énergies fossiles qui affiche des profits records dans la période. Les marchands d'armes aussi, ils explosent le compteur. Et notamment en France, qui est devenu le deuxième pays exportateur d'armes au monde, derrière les États-Unis, avec 27 milliards d'euros de bénéfices en 2022. Et tout ça dans un contexte où les gouvernements partout dans le monde multiplient les discours guerriers et où les budgets militaires ont doublé au niveau mondial dans les 20 dernières années, pendant que les services publics s'écroulent. Parce que bien sûr, pour chaque augmentation des budgets militaires, c'est du budget en moins pour les écoles, pour les hôpitaux et tout ce qui nous est indispensable. Et dans tout ça, les capitalistes, les Bolloré, les Tavares, les Pouyanné, les Bernard Arnault, ils n'ont jamais été aussi riches. Cette année encore, le CAC 40 a enregistré le chiffre absurde de 150 milliards d'euros de bénéfices. Alors nous, on se rend bien compte que cette société, elle tourne pas rond et on refuse de l'accepter, on refuse de se tenir sage, tout comme on a refusé d'être complice du génocide de Netanyahou en Palestine, comme on a manifesté pour dénoncer cet état criminel d'Israël et la complicité de notre propre gouvernement qui, en plus de lui vendre les armes et les munitions qui servent à tuer les Gazaouis, réprime ceux et celles qui se révoltent ici par la matraque, la gazeuse, les gardes à vue, mais aussi par les accusations dégueulasses d'antisémitisme. S'ils veulent faire taire le mouvement de solidarité avec le peuple palestinien, comme ils ont réprimé avec violence l'été dernier les émeutes qui se sont déroulées avec des jeunes qui se révoltaient contre les violences policières suite au meurtre de Naël par un policier à Nanterre, c'est bien qu'ils ont peur que toute cette colère, de tout ce qu'elle pourrait créer si elle s'organisait. Et quand on voit que pour une occupation de fac, ce gouvernement il est capable d'envoyer 88 étudiants en garde à vue, et que pour un blocage lycéen, en solidarité avec le peuple palestinien, comme à Montrouge la semaine dernière, il peut envoyer des CRS pour casser le blocage et coller des poursuites judiciaires à des mineurs, on voit bien à quel point ils ont peur du potentiel que les mobilisations de la jeunesse elles peuvent représenter et ce qu'elles pourraient déclencher si on les laissait donner des idées à d'autres. Et d'ailleurs, les lycéens et les lycéennes de Montrouge, ils ont bien compris et ils s'organisent face à cette répression. Le 30 mai, une des lycéennes est convoquée au commissariat et on sera bien évidemment au rassemblement de soutien et à ses côtés pour exiger l'abandon de toutes les poursuites et pour dire qu'on a raison de se mobiliser pour la fin du génocide et de la colonisation en Palestine et qu'on ne les laissera jamais nous faire peur. En fait, ils veulent éviter à tout prix que les mobilisations de la jeunesse elles puissent déteindre sur le reste de notre camp social, sur le monde du travail. Et c'est bien pour ça qu'ils veulent nous apprendre dès le plus jeune âge à nous tenir bien sages, bien disciplinés, en nous envoyant au SNU pour nous apprendre à chanter la Marseillaise face au drapeau bleu, blanc, rouge, ou en nous imposant l'uniforme dans toutes les écoles. Mais pour nous, c'est hors de question. On sera ni cher à patron bien discipliné, ni cher à canon, prêts à aller faire leur guerre aux quatre coins du monde pendant qu'eux, ils comptent leurs sous. Renverser leur monde pourri et au NPR révolutionnaire, on est convaincu que ça pourra passer que par une révolution, un soulèvement de toute notre classe qui mette fin au pouvoir du patronat, de cette minorité de parasites qui dirige et qui prétend décider de tout pour nos vies en fonction de ses profits. Et souvent, quand on dit ça, on nous répond qu'on est utopiste. Moi, je suis pas d'accord avec ça du tout. Je pense que, au contraire, l'utopie, ce serait de penser qu'on pourrait continuer dans ce système, de penser qu'on pourrait en finir avec les guerres, avec le dérèglement climatique, avec les oppressions et avec la misère, sans en finir avec ce qui fait l'essence même du capitalisme, c'est-à-dire l'exploitation de la majorité par les patrons et les capitalistes. Alors oui, il y a urgence à imposer un autre pouvoir, celui de notre camp social, des travailleurs et de la jeunesse, pour construire une société communiste débarrassée de l'exploitation et de l'oppression, et dans laquelle c'est ceux qui font tout tourner qui décident de tout.